Bonjour à tous et à tous, et à toutes, pardon. J'ai un peu pris à la gorge, je m'excuserai si des fois ça grince. Alors là, c'est une vidéo d'intérieur, mais ça va être spécial, parce que ça va être une analyse un petit peu du début de l'année, de ce qui se passe avec le mouvement électrique. C'est le raz-de-marée de l'électrique. En janvier, c'est énorme. 5 500 zoé, 50! Rien qu'en janvier, Peugeot aussi fait un bon score. D'autres personnes vont faire d'autres choix. Hein, les acheteurs, vous êtes libres, bien sûr, de choisir. Vous attendez aussi d'autres modèles qui vous conviendraient. Ou alors vous hésitez et vous êtes en attente. Ou alors vous vous contentez de ce que vous possédez parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Et ça roule toujours, de toute façon. Le principal, c'est d'avoir quatre roues, un siège et de pouvoir se déplacer. En voiture, c'est quand même mieux qu'à pied pour faire ses courses et autres. On voit que ici, c'est automobile propre. Hein. Vous avez le logo ici, il n'y a pas de lézard. Et Tesla aurait 6 ans d'avance sur Toyota et Volkswagen. Alors, je ne clique pas sur le lien, vous le ferez si vous voulez. Et Tesla aurait 6 ans d'avance. Mais on s'en sait pas. On sait qu'ils ont de l'avance, ça c'est certain. Et le prix est tellement élevé d'une Tesla. On va dire, vous en avez pour votre argent. Quand vous achetez une Tesla, c'est pour la garder très longtemps. Et il n'y a pas de problème avec une Tesla, c'est certain. Donc on n'ira pas plus loin sur l'analyse de leur avance technologique. Elle est réelle, que ne serait-ce que pour les bornes de recharge. Rien que pour les bornes de recharge, ça fait toute la différence en électrique. C'est pour ça que ici, vous avez à côté le sujet. Je ne clique pas dessus, je l'ai vu celui-là par contre. D'une personne qui a hésité entre une Peugeot et une Zoé. Mais comme il a eu les bonnes informations avant son achat, il n'a pas pris la Peugeot. Parce que la Peugeot, il n'y a pas de chargeur embarqué 22 kW. Et il aurait été plutôt mal venu de prendre une Peugeot pour aller même sur les routes départementales, pour pouvoir se recharger sur des bornes 22 kW, sachant qu'il faudrait être entre 3 heures et 4 heures pour recharger la voiture sur une malheureuse borne comme Lidl. Alors que vous avez à côté une Zoé classique ou une Zoé 50, qui elle va se recharger au plein potentiel de la borne, à la belle saison. Voilà, c'est ça la différence. C'est là aussi dans ce commentaire qui était ici, là. Hein, la personne a critiqué les constructeurs, justement ce que j'ai fait moi aussi dans la vidéo précédente. La critique est toujours valable. Pourquoi les constructeurs n'ont pas engagé de recherche au niveau des chargeurs embarqués 22 kW? Il ne nous donne pas la raison. Aucune. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est technologique? La technologie, j'y crois pas. Déjà, poubelle. Ça, ils peuvent le faire. Est-ce que c'est financier? Jusqu'à quel niveau ça peut être financier? Puisque si c'est 11 kW, on le paye déjà, puisqu'ils vous proposent 11 kW en option. Ils ne sont même pas foutus de mettre dans la voiture directement. C'est du 7 kW de base. Eh bien, qu'on l'aurait payé le 22 kW, admettons. Pour pouvoir recharger plein pot sur une borne 22 kW, même pas ça, il le propose, même pas en option. Donc c'est minable, c'est lamentable. Là, il rate le coche, parce que les clients vont où? Bah, ils vont dans la concurrence. Celle qui propose 22 kW, bah oui, on n'est quand même pas abruti, on va pas attendre 4 heures sur une borne avec une belle voiture, là en attente, tout le monde qui vous regarde. Bah, il roule pas que sa voiture, lui, il est en panne. Mais bah, non, il se recharge. Voyons, ça fait un moment déjà. Hein. Bah oui, c'est comme ça. Et pour le prix que ça vaut. Parce que là, il n'y a pas de location de batterie. Pour le prix que ça vaut, mince, on en demande un minimum. Ben non. Le minimum syndical, comme on dit, on ne l'a pas. La fameuse prise 22 kW, on l'a, mais pas le chargeur. Il y a que Renault qui propose. Sans option. Par contre, il propose de 50 kW en option. Alors, il s'avère qu'il y a des prestataires, enfin, des revendeurs, qui proposent moins cher l'option. 1000 euros à 800 euros, peut-être moins même. Allez savoir. Il faut toujours négocier les prix, hein. Apparemment, les Zoé sont vendus 3 000 euros moins cher en concession. C'est-à-dire que la concession vous fait une sacrée offre là. Ce que Renault ne fait pas à la vente, c'est-à-dire qu'ils se sont fixés le prix avec la CCS Combo en option, tout ça rejoint le prix d'ancienne Zoé, d'accord. Mais ils auraient pu baisser le prix ou leur dire simplement on garde le même prix avec la CCS Combo d'office. Ils ne le font pas non plus. Ce sont les concessions qui font l'effort de baisser le prix de la Zoé, 50. Ça peut aller jusqu'à 3 000 euros. Ah ben dis donc, 3 000 euros plus 6 000 euros, ça fait 9 000.
Et si vous avez encore les aides de l'État, enfin les aides des régions et tout ça, vous faites le calcul, elle est donnée la voiture. Vu la qualité qu'elle a maintenant, hein, la Zoé, elle est vraiment impeccable. Donc, il n'y a pas de raison. Commercialement parlant, les constructeurs sont pas à jour. Oui, ça donne l'impression de, ils sont un peu comme, ils sont un peu largués. Ils se rendent pas compte de la demande des personnes, des acheteurs. Un effort du constructeur, c'est pas possible. Mais un effort de la concession, qui est indépendante du constructeur, c'est possible. Chercher l'erreur. Bah, tant mieux pour nous, hein. On va pas pleurer. Puisque l'un veut pas en faire, soit qui fait la voiture, et l'autre qui revend la voiture, il veut faire. Bon, bah, tant mieux. Du moment qu'il y a un qui fait l'effort, c'est le principal. Maintenant, je vais parler... je pourrais parler pendant des heures, hein, c'est pas un problème. Mais je vais pas vous saouler, hein, vous allez vous endormir. Je vais parler un peu du cours du pétrole. Parce que c'est important. Pour ceux qui roulent en hybride rechargeable, en voiture classique, essence ou diesel, c'est important. Le carburant fossile, c'est ça, vous l'achetez réellement, c'est concret. Quand vous faites le plein du réservoir, boum, les chiffres tournent, et vous savez que vous en avez pourtant, ça vous fait mal. Hein, ça vous fait mal au portefeuille. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est le cours, parce que le cours est descendu très bas. Ah, c'est pas possible, il ne peut pas aller plus bas. Hein, parce que là, je ne veux pas. Je veux qu'ils descendent plus bas, je veux dire. C'est pas un problème. Ça va faire des heureux, des heureuses. Bon, ça va faire... à la fin du mois, c'est sûr que ça va faire un peu moins misère sur le budget familial, par exemple. Malgré tout, on se doute bien que ça va pas durer parce que les investissements dans l'extraction du pétrole sont colossaux. Parce qu'ils vont de plus en plus loin. Parce qu'ils défoncent des paysages entiers quand c'est gaz de schiste. Oui, tout ce qui est en dessous de la terre, elle est contaminée pour des centaines de milliers d'années. Hein. C'est à base d'arsenic, c'est à base de... Faut voir tout ce qu'ils injectent dans le sol. Les vers de terre, ils sortent le drapeau blanc, ils disent « Arrêtez, oh là là, ouais. Nous, on peut même plus manger un caillou, là, c'est fini, ils sont tous pollués. » Alors, on voit le pétrole Brent a descendu. C'est le pétrole de la mer du Nord, qui est pas loin de la France. Hein. Bah oui. Et quand même, il a monté. On voit, il a descendu un peu, il a monté beaucoup. Le pétrole, l'Arabie Saoudite, hein, et puis les États-Unis, ça monte. Donc vous voyez, ça remonte. L'uranium, non, on n'a pas de voiture à uranium, donc ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui est fou dans ce système d'actionnariat mondial, lors de mondialisation de l'économie, c'est que tout s'achète, tout se vend. Ah, mais tout! Vous voulez un steak haché pas cher, mais votre steak haché... qui est... Je fais une parenthèse comme ça, mais c'est vrai, la viande. Vous achetez un surgelé, une baguette de surgelé, je sais pas, du hachis parmentier. Vous dites, chouette, le bœuf, il est acheté là. Mais oui, mais le bœuf, il peut venir d'ailleurs. Il peut venir de l'autre bout du monde. Il va prendre le bateau, l'avion, en surgelé. Il arrive dans votre usine, l'usine qui fabrique tout ça. Mais c'est monstrueux. C'est l'échelle internationale. Il n'y a pas de cadeau. C'est au centime près. Si les 1000 tonnes de bœuf, un centime de moins cher le kilo en Argentine, ils vont le prendre en Argentine. Si le lendemain c'est moins cher, aux États-Unis, ils vont le prendre aux États-Unis, mais ils ne vont pas le prendre en France, parce que ce sera trop cher. Voilà. Ça c'est imparable comme système. Hein. C'est l'offre et la demande. Ah ben dis donc, c'est mathématique. Hein. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas Dallas, JR... univers impitoyable. Si, si, quand même. C'est un univers impitoyable. Pas de cadeau. Alors, on va voir un peu plus près le pétrole. Tiens, celui-là, là. Parce que... Il monte. Il était descendu drôlement bas. Hein. Oh là 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 là. Oh, c'est rare, hein. Extrêmement rare. Hein. Et on voit... là, ici, toute la... De l'année dernière, hein. Sur un an, quasiment. Quand ça avait monté à combien? 68... Et c'était pas le cours le plus élevé. En général, c'est 80. 80 dollars. Ça aurait fait le litre d'essence minimum à 1,60 €. Le litre de gasoil. L'essence aurait été plus chère, bien sûr. Et là, ça s'est cassé la figure. 54. Et à peu près... Non, pas la même période. Et là, ça remonte. Et voilà. Ça redescend. Et ça remonte. Et voilà. Et là, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Là, c'était la flambée, mais pas extraordinaire par rapport...
C'est ça qui est intéressant. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'il en est, parce que vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, vous savez lire quand même les graphiques. Excusez-moi, je ne sais pas à qui je m'adresse, hein. Mais c'est intéressant de revenir en arrière et de prendre la mesure de ce qui se passait auparavant, parce qu'on a la mémoire très courte. On a, oui, bah, il faut dire ce qu'il y a, on a la mémoire courte. On vit au jour le jour. Eh ben non, il faut vivre avec ce qui s'est passé auparavant pour faire des comparatifs, pour se dire, mais avant c'était pire, maintenant c'est mieux. Demain, on ne sait pas. Voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Là, on se rend compte que ça remonte, et de toute façon, ça ne va pas arrêter de remonter, puisque ça va rattraper, je pense, plus de 60 dollars. Donc, du coup, le prix du carburant va remonter à la pompe. Pour ma part, j'ai fait mes petits calculs. Je me suis même renseigné sur un véhicule diesel, parce que je me mets à la place des personnes qui roulent en diesel. Le diesel est très, très intéressant pour les gros rouleurs. Ah, avec un diesel, il faut rouler. Moi, je fais 3 000 km par jour en électrique. Je ferai pas moins de 3 000 km par mois, pardon. Je ferai pas moins de 3 000 km par mois en diesel. Sinon, je prends un essence. Oui. Mais je ne prendrai pas un essence qui fasse 8 litres au 100. Parce que là, c'est fini. C'est même plus la peine de rouler. C'est la dépense totale. Tout votre budget part dans l'énergie. C'est pas normal, ça. Ça coûte trop cher pour acheter une baguette de pain, comme l'on dit. À moins d'être argenté et de mettre l'argent par la fenêtre, ça, c'est un autre problème. Mais quand on peut rouler beaucoup en diesel, il ne faut pas hésiter parce que ça coûte très cher en entretien, les diesels. Et il s'avère que, et des études de fait toutes récentes, ils ont comparé donc le coût d'entretien d'un diesel par rapport à l'essence. Maintenant, hein, les essences tout récents, avec les nouvelles normes anti-pollution, parce que les essences ont des filtres à particules. Eh oui! Et il s'avère que l'essence a rejoint le coût d'entretien, le prix du coût d'entretien d'un diesel. Le diesel n'a pas baissé, lui. Entre 400 et 500 euros par an. Je dis bien par an. Entre les vidanges, changer ceci, changer cela, les filtres et autres, ça coûte très cher. Et quand il y a un élément à changer au bout de 30 000 ou 40 000 km, il faut le faire, ça coûte très cher. Et la main-d'œuvre va toujours en augmentant, elle ne va pas en diminuant. Et il s'avère que l'essence rejoint le diesel. Les moteurs sont tellement pointus, sophistiqués, fragiles, du coup. Bah oui, avec des turbos qui donnent une pression au moteur plus importante qu'avant, beaucoup plus importante qu'avant. Le taux de compression est plus élevé. Tout est plus fragile. Tout est géré par électronique. Tout est à base de sondes et autres. Je ne veux pas faire l'inquisiteur de ce qui existe. On en a besoin de tous ces systèmes-là, que ce soit thermique ou autre chose. Mais c'est pour expliquer simplement que la sophistication relève à la hausse le prix de l'entretien, c'est une vérité. Il y aura des modèles, il y a toujours des modèles qui sont plus fiables que d'autres. Il y a des vices de fabrication, il y a des problèmes, il y a des prises en charge ou pas, c'est toujours la même bagarre, hein. On y est tous passés, de toute façon. Il y a un moment, on dit, tiens, il y a une facture, elle tombe, boum. Oh là, voyons, c'est pas possible, c'est pas normal qu'il y ait une panne comme ça là-dessus, à ce kilométrage aussi faible. Le constructeur, lui, veut rien savoir. Vous payez. Et le concessionnaire, il vous connaît, vous êtes son client favori, on va dire ça comme ça. Vous voulez bien payer, mais que ce soit raisonnable, qu'il y ait une prise en charge du constructeur. Le concessionnaire, le mécano, il vous dit, bah oui, c'est pas normal qu'il y ait une panne comme ça sur votre voiture. Mais c'est pas la première en plus. Ah bon? Bah oui. Ah bah alors à ce compte-là, on va demander au constructeur une aide. Et ils veulent pas. Et c'est des lettres recommandées, avec accusé réception, que ça coûte cher. On peut aller loin comme ça. Pendant ce temps-là, la voiture, elle est immobilisée. Vous ne pouvez pas rouler avec. Et il faut payer l'immobilisation de la voiture à la concession. Parce que ça immobilise une place qui pourrait être disponible pour une autre voiture. Il faut que ça tourne, hein, c'est ça. On en arrive un petit peu à des situations aberrantes. C'est une vérité. Donc le diesel, pas question. Même si on roule beaucoup, ça entraîne des frais d'entretien très élevés. Bon, bah, maintenant, ce qui reste, bah, je dirais en fiabilité, l'hybride, on attend les hybrides. C'est vrai qu'il y a les hybrides chez Renault. Oh là, bah, chez Renault, il frappe fort, hein. Ah, il frappe fort, hein. Ils sont dans. Ah bah dis donc, hein. Oh là 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 là. Je sais pas qui c'est qui tient les rênes de chez Renault, là. Ça bouge là, en ce moment. C'est pas une femme, je me demande. Ah, vous m'excuserez, hein. J'ai beau avoir une Renault et avoir une chaîne YouTube, je suis même pas foutu de savoir qui c'est qui dirige Renault, parce que bah, ça change tout le temps. Depuis que Carlos Ghosn, bah, hein, on sait ce qui s'est passé. Et malheureusement, Renault a un petit peu baissé
du nez, hein. C'est ça, c'est quoi de le dire. Quand le capitaine est parti, le navire, il va un petit peu à droite à gauche. Malgré tout, on sent qu'il y a quand même une volonté d'aller sur le bon sens. Et les gens qui, bah, les ingénieurs, mais surtout d'autres qui ont sûrement une bonne parole, dans, parce qu'il y a des réunions, des comités, pas des comités d'entreprise, une sorte de réunion des chefs ou d'ingénieurs, et des personnes qui ne sont peut-être pas qualifiées pour diriger une entreprise, mais qui sont qualifiées pour dire « Mais attention, si vous partez dans cette direction-là, je ne vous dis pas l'avenir de l'entreprise dans 5 ans ou dans 10 ans. Hein. Il vaut peut-être mieux partir dans ce sens-là. On vous donne tous les éléments que l'on a trouvé nous, que l'on peut faire nous, grâce à nos ingénieurs, ce que l'on a trouvé nous, pour mettre sur le marché des voitures qui vont plaire. Parce que le but, c'est de plaire aux gens, que ça les satisfasse, aux clients, hein, vous, moi, que l'on puisse rouler dans une voiture qui soit fiable, économique. Ah, c'est extrêmement important. On en a marre de payer pour rouler, mais des sommes astronomiques. Qu'on nous rende une 4 chevaux, hein, des années 45, hein, des années 50. C'était fiable, on mettait un coup de pied dedans, ça démarrait, c'est tout. Le chauffage, il tournait en permanence, il n'y avait pas de bouton marche arrêt, c'est tout. Qu'on nous rende des voitures classiques, pourries, mais qu'on roule dans des voitures qui ne coûtent pas cher. Alors, Renault, non, c'est pas la 4 chevaux, c'est de l'hybride, mais d'une sophistication. Maintenant, il faut voir la fiabilité. Il y aura toujours des péchés de jeunesse, hein, comme on dit, de moteur électrique. Et vous démarrerez bien, toujours en mode électrique. Ça, c'est formidable. Ça, c'est excellent. Un démarrage en mode électrique sur une hybride, c'est ce que tout le monde demande. Moi qui roulais en hybride, des fois, je forçais le mode électrique pour démarrer en mode justement en mode électrique. La touche EV. Mais la batterie s'épuisait à une vitesse dingue. Donc, ça remettait automatiquement le mode thermique. Mais là, c'est automatique. Et la batterie a l'air intéressante. Ça, c'est sur la Clio. Et la Mégane, rechargeable. Non seulement hybride, mais rechargeable. C'est parfait. Parce que pour les personnes qui peuvent faire 50 km par jour et qui n'en feront pas plus, le moteur thermique ne se mettra jamais en route. Ou quasiment jamais. À voir si par période froide, il ne se mettra pas en route quand même. Histoire de que ça tourne quand même un minimum. Sinon, on met pas d'huile dans le moteur, quoi, c'est tout. Et c'est intéressant, tous ces éléments de sophistication de la part de Renault, dont la Duster électrique, ben oui, à moins de 15 000 euros, eh oui, petite voiture de ville. Apparemment, 200 km aux normes WLTP, et c'est parfait. Parce que la plupart d'entre vous voulez une voiture électrique, pas chère, pour rouler en ville, en agglomération c'est possible, sur route départementale il n'y a pas de problème, tant qu'il y a du jus dans la batterie, on roule. Et comme c'est le type 2, et je pense qu'ils vont reprendre le chargeur, alors s'ils reprennent le chargeur de la Zoé en type 2, là c'est la totale. Là. Alors vous pouvez même pas, vous posez pas de questions, ça sera une petite batterie, un peu plus grosse que la batterie de la Zoé première génération, la 22 kW. Il me semble que ce serait peut-être 27 kW. Donc, ce qui donnerait 200 km réels. C'est excellent. Et ça, c'est du Duster. Donc, ce n'est pas de la finition haut de gamme, mais vous en aurez pour votre argent. Pareil. Et là, c'est Renault et Dacia. Hein. Ce n'est pas le Duster. Qu'est-ce que je raconte? Non, ce n'est pas un Duster. Hein. C'est un autre modèle. Mais ils ne s'arrêtent pas. Ils ne vont pas s'arrêter à ça. Ensuite, ils vont sortir le gros modèle, ce que tout le monde attend, l'équivalent du Kona, tout simplement, ou du Niro, plutôt. Donc un genre de 4 jars, hein, sur la base d'un 4 jars, qui n'aura pas la même carrosserie, bien entendu, mais le gros volume, le gros gabarit, on emmène toute la famille, les chiens, les chats, les poissons rouges, on met tout ça dans le coffre, on charge la voiture et c'est parti pour 500 km. Voilà, c'est ça qu'il faut maintenant. Et surtout, les chargeurs, le chargeur embarqué 22 kW, qui vous sauvera la mise, parce qu'on n'a aucune confiance sur les autoroutes. Ils sont là pour ramasser le pognon, boucher les trous, et c'est tout. Ah tiens, ça s'en met à jour tout seul. Vous m'excuserez de dire ça, je m'excuse auprès des sociétés autoroutières, mais vous êtes trop cher. Vous êtes trop cher pour l'électricité que vous achetez, que vous revendez. Vous êtes trop cher pour faire payer des bornes qui ne sont pas fiables et qui tombent en panne dès qu'on arrive dessus. La borne, elle se cache. Quand ce sont des bornes Unity, c'est pas votre faute. Hein, les bornes Unity, elles sont là. Hein. Bon, enfin, vous acceptez qu'elles soient là quand même. Ça attire la clientèle, on va dire. Hein. C'est la vitrine technologique, voilà. Ouais, mais vous ne faites pas les prix de groupe, là, pour les jeunes conducteurs.
Hein? Vous faites pas des réductions quand ça va être les vacances d'été? Vous faites pas des réductions quand c'est les vacances d'hiver? Ah ben non, vous faites les pannes, c'est vrai, je suis bête. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Elle est pas trop longue. Oh là, 20 minutes. Vous m'excuserez. J'ai parlé avec franchise. Bon, ça peut plaire, ça peut pas plaire, c'est pas grave. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Et je suis pas le seul à le dire, hein, de toute façon. On est tous amenés à ça, à faire le point. On fait le point, hein, parce que c'est en train de basculer, là. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.